Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer à lire le livre « Maître des dragons, la forteresse du dragon de la pierre ». Chapitre 1. Les sœurs magiciennes. Mina, le maître des dragons des terres du Grand Nord, marche en long et en large dans la pièce. Elle est chaussée d'épaisses bottes en fourrure et porte une hache glissée sous sa ceinture. « Il va falloir se battre, » dit-elle. Yuan, Bo, Rory et Anna, les maîtres des dragons du royaume des fougères, sont rassemblés autour d'elle. Kiko, qui est mage des dragons, et Jérôme, le magicien du roi, sont là également. Mina est venue de loin avec son dragon givre pour leur transmettre un message envoyé par Hulda, la magicienne de son royaume. « Qu'est-ce qu'Hulda t'a demandé de nous dire ?» demande Jérôme à Mina. Les problèmes ont commencé lorsque Yuan et Rory ont libéré les magiciens emprisonnés dans le temps, explique Mina. Lucas et son dragon du temps ont nous aidé à le faire, interrompt Yuan. Et Jérôme était avec nous. Maldred, un magicien malfique, avait emprisonné ses ennemis dans le temps. Certains des magiciens emprisonnés étaient gentils, mais d'autres étaient malfiques. Et maintenant, ils sont tous en liberté. Parmi ces magiciens, il y avait Astrid, la sœur d'Hulda. Elle est très dangereuse, les avertit Mina. Hulda va nous en parler elle-même. Mina se tourne vers son dragon bleu pâle et lui ordonne. Givre, active le miroir de glace magique. Givre ouvre la bouche et une fine pellicule de glace se forme pour rester suspendue dans l'air. Le visage d'une femme aux cheveux blonds se désigne sur la glace. Jérôme est le maître des dragons. J'ai besoin de vous. Mais avant, je vais vous parler dans un peu de ma sœur. Le visage d'Hulda s'efface. Il est remplacé par un autre, celui d'Astrid. Elle ressemble à l'Hulda, mais ses cheveux sont roux. Astrid et moi, nous venons d'une longue lignée de magiciens, explique Hulda. Nous avons toutes deux obtenu nos pouvoirs magiques quand nous étions petites. Astrid essayait toujours d'impressionner nos parents en me surpassant avec sa magie. Ça me fait penser à mes sœurs et moi, interrompt Rory. Nous n'arrêtions pas de faire des courses pour voir qui allait gagner. On voit alors apparaître dans le miroir de glace un château perché au haut d'une colline. Nous avons toutes deux étudié au château des magiciens à Beleriand. Après nos études, nous sommes allés dans les terres du Grand Nord. Je me suis mise au service du roi Lard et de la reine Sigrid. Astrid est allée chez le roi Albin. Le visage du roi Albin apparaît dans le miroir de glace. En été, tous les champs du royaume d'Albin se sont mis à dépérir, raconte Hulda. Astrid s'est servie de sa magie pour sauver les récoltes, mais Albin s'est attribué tout le mérite de cet exploit. C'est injuste, s'exclame Rory. Ça a beaucoup déplu à ma sœur, poursuit Hulda en faisant un petit signe de tête vers Rory. Je la comprends, mais elle a eu une réaction vraiment exagérée. L'image d'Astrid apparaît dans le miroir. On la voit marcher sur un nuage qui tourbillonne. Ses yeux brillent de colère. Astrid a jeté un sort au roi Albin. Elle lui a fait pousser des oreilles d'âne, dit Hulda. Le roi Albin était furieux. Il m'a demandé de le libérer de ce sortilège et je l'ai fait, bien sûr. Puis il a banni Astrid. Il a expulsé du royaume, demande Rory. Oui, répond Hulda. Elle a supplié des habitants du royaume de l'aider, mais personne ne l'a fait. Je l'ai invitée à venir vivre avec moi, mais elle a refusé. Elle était fâchée que j'ai aidé le roi Albin. Où est-elle allée, demande Anna. Elle a vagabondé de par le monde en poursuivant ses études par elle-même, répondit Hulda. Et puis un jour, elle est venue me voir. Elle avait appris à faire de la magie noire, une magie terrible. Yuan retient son souffle. Qu'est-ce que s'est-il passé ensuite, demande Bo. Elle a jeté un sort à tout le royaume du roi Albin. Elle a endormi la population au grand complet. Au revoir. Chapitre 2.
un plan terrible. Anna n'en croit pas ses oreilles. « Comme c'est cruel de sa part, dit-elle. Les habitants du royaume sont-ils encore endormis ?»« Non, répond Mina, mais il a fallu les efforts de 17 magiciens pour les libérer de ce sortilège. » Sur ce, une nouvelle image apparaît dans le miroir. Elle montre Astrid qui marche en plein orage. Des étincelles rouges jaillissent du bout de ses doigts. « Ma sœur m'a dit qu'elle voulait devenir un grand maître de la magie noire, » dit Hulda. Elle voulait être la meilleure au monde. Elle comptait aller voler les formules secrètes du grand Maldred. Elle m'a demandé de la suivre, mais j'ai refusé. Je ne l'ai plus jamais revue. Elle s'est probablement battue contre Maldred et l'a emprisonnée dans le temps, dit Johan. Le visage d'Hulda réapparaît dans le miroir de glace. « Je consulte ma boule de cristal constamment depuis que ma sœur est en liberté, » explique-t-elle. « Elle est allée partout dans le monde pour se procurer des choses difficiles à trouver. Je crains qu'elle ne se prépare à lancer un très mauvais sort de magie noire. » On voit alors apparaître dans le miroir 5 objets bizarres. Jérôme les reconnaît. Je vois la racine de mandragore, une branche de gui noir, une plume de corbeau fantôme, une épine de buisson de sous-bois et la dent d'un ours sacré, énumère Jérôme. Je me demande quel sortilège elle est en train de préparer, dit Hulda. Qu'en pensez-vous, Jérôme? Aucune idée, répond Jérôme. Mais Jaina, notre magicienne en chef, le sait peut-être. « Je dois rester dans mes terres du Grand Nord, » dit Hulda. « Je crains qu'Astrid ne revienne par ici une fois qu'elle aura trouvé ce qu'elle cherche. Elle va peut-être essayer de jeter un autre sortilège aux habitants du royaume d'Albin. Je dois tenter de les protéger. Dans ce cas, c'est moi qui irai voir Jaina, » dit Mina en s'avançant. « Bonne idée, » dit Jérôme d'un air approbateur. « Johan peut t'accompagner. » « Merci tout le monde, » dit Hulda en faisant jaillir des étincelles jaunes vifs du bout de ses doigts alors que le miroir disparaît. « Jérôme, devrions-nous accompagner Johan et Mina ?» demande Beau. « J'ai besoin de toi. De que toi, Anna et Rory, restez ici avec Kiko et moi, » répond Jérôme. « Il y a beaucoup d'autres magiciens malfiques en cavale. » En ce moment, nous devons être prêts à agir si l'un d'eux commence à faire des bêtises. Le magicien se tourne et se met à marcher d'un pas décidé. Suivez-moi à l'atelier. Une fois arrivé, il griffonne quelques mots sur un bout de papier. Lorsque tu arriveras au château des magiciens, dans cette liste d'ingrédients à Jaina, en remettant sa liste à Mina, Johan, il faut que l'ombrique vous amène tout de suite là-bas. Jérôme remet un petit miroir à Johan. Est-ce que c'est un miroir magique, comme celui que vous m'avez donné lorsque je suis allé au château de Naga? Demande Johan. Oui, répond le magicien. Utilise ce miroir pour me donner des nouvelles une fois que tu auras parlé à Jaina. Entendu, dit Johan en glissant le miroir sous son ceinturon. Bonne chance, Johan et Mina, et faites vite, dit Anna. Oui, ajoute Beau. « Trouvez vite ce qu'Astrid est en train de mijoter pour ce que nous puissions l'arrêter. » Chapitre 3. Le château des magiciens. Johan et Mina sortent en vitesse de l'atelier de Jérôme. Johan tapote le cou de l'ombrique, son dragon de la terre. « L'ombrique, peux-tu nous transporter à Beleriand ?» demande Johan. Johan a une pierre du dragon vert suspendue à son cou. Elle se met à briller. « Oui, » répond le dragon. « Tu te souviens ce qu'il faut faire ?» demande Johan à Mina. « Je pose une main sur Givre et l'autre sur l'ombrique, » répond Mina en plaçant une main sur chacun des dragons. « Puis, wouch, c'est parti !»« Exact, » dit Johan. « L'ombrique, conduis-nous au château des magiciens. » Une vive lumière verte remplit la pièce. Johan sent son estomac se retourner. Puis, la lumière s'atténue. Il se trouve devant l'entrée du château. La magicienne qui en assure la garde fronce les sourcils. « Halte !» crie-t-elle. « Les dragons sont interdits dans le château. » « Si vous ne nous laissez pas entrer, nous entrons de force !» dit Mina en poignant le manche de sa hache. « Ça va, Mina ?» dit Johan. « L'ombrique et Givre peuvent entendre ici. » Il se tourne vers la garde. «
Nous acceptons de laisser nos dragons à l'extérieur. Mimina et moi devons voir immédiatement la magicienne en chef, dit-il. Nous devons lui livrer un message important de la part de Jérôme, du royaume des fougères, au sujet d'un dossier qui concerne les magiciens. D'accord, dit la garde en ouvrant la grande porte. Elle est au bout du couloir. Johan et Mina se précipitent dans le château. Ils arrivent rapidement devant l'atelier de Jayana. La porte s'ouvre toute seule. Une magicienne au visage rigide et aux cheveux blancs les accueille avec un grand sourire. Johan, Mina, entrez, leur crie Jayana. Les maîtres des dragons entrent dans la pièce. Je suis tellement content de vous voir, Jayana, s'exclame Johan. Nous avons besoin de votre aide. Mina remet à Jayana la liste d'ingrédients magiques. La magicienne en chef lit la liste. Elle fronce les sourcils. Ce sont des ingrédients qui servent habituellement à faire de la magie noire, dit-elle. J'espère que Jérôme n'a pas l'intention de préparer ce sortilège. Non, ce sont des ingrédients que la magicienne Astrid a récoltés, dit Mina. Je connais Astrid, dit Jayana. Quand il est question de magie noire, elle est prête à tout essayer. Savez-vous quel genre de sortilège on peut préparer en utilisant ces ingrédients? Demande Johan. Absolument, répond Jayana, d'un air soucieux. Une fois mélangés, ces ingrédients ne servent qu'à une seule chose, créer la vie artificielle. C'est un sortilège qu'on utilise pour rendre vivants des objets inanimés, comme des pierres, du bois ou des ossements. Ça donne froid dans les os, dit Johan. En effet, répond Jayana. J'ai bien l'impression qu'Astrid est en train de nous préparer quelque chose de terrible.